Les vents fécondent les nuages et nous envoyons les vents fécondants, puis nous faisons descendre la pluie du ciel dont nous vous abreuvons en abondance. Le Coran, sourate 15, verset 22. Le nom arabe utilisé ici est lawaqa, qui est le pluriel de laqa, qui vient de laqaha, qui signifie imprégné ou fécondé. Dans ce contexte, fécondé signifie que le vent pousse le nuage, augmentant la condensation qui provoque la foudre et donc la pluie. Une description similaire se trouve dans le Coran. Allah, c'est lui qui envoie les vents, qui soulève des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Le Coran, sourate 30, verset 48. Les descriptions coraniques sont absolument exactes et concordent parfaitement avec les données modernes sur l'hydrologie.